salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et que du coup on va pouvoir commencer cet enregistrement, cette diffusion aussi, je fais les deux, de Un Plus Fou au Tranquillou de Golden Sun. J'avais déjà fait une première partie où on n'entendait que ma voix et pas du tout le son du jeu, donc on va tout reprendre du début et on va s'amuser tranquillement. Voilà pour l'intro, on va attendre encore quelques secondes, et puis on va y aller tranquillement. Si vous voulez interagir dans le chat, allez-y. On fera des pauses, j'espère, régulières, qui me permettront de découper pour YouTube, pour ceux qui voudront regarder en VOD là-bas. Voilà, tout simplement. Et on est parti. Hop, donc, comme dit... On se retrouve sur le menu parce que... Pardon. On avait commencé une première partie et on reprend tranquillement du début maintenant. On va laisser ça et c'est parti. Vlad, réveille-toi! Réveille-toi vite! Le rocher du Mont Alpha risque de tomber! Le gars a le sommeil très lourd. D'accord. Viens, Vlad, nous devons fuir. Vlad, t'as oublié quelque chose? Hop. Maman est magicienne. Il pleut d'or, ne sent pas sans tête unique. C'est une maman. Ce dont tu as besoin. On va dire que oui. Bien, Vlad. Un bien peut être remplacé, pas une vie. C'est vrai. Vlad, Dora, vite, le rocher va tomber d'un moment à l'autre. Je ne sais pas ce qu'était ce truc. Apparemment, c'était important. Seront-ils capables d'arrêter le rocher? Je ne crois pas. Pas longtemps, en tout cas. Réfugiez-vous sur la grande place. Tu ne viens pas? Je vais aider à évacuer les autres villageois. Laisse-nous t'aider, Kyle. C'est trop dangereux, Dora. Prends soin. Prends bien soin de Vlad. Vlad est suffisamment grand pour y aller tout seul. Tu peux trouver ton chemin, non, Vlad? Oui. Tu connais le chemin, va vers le sud et trouve la grande place. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour éduquer les enfants. On les laisse aller tout seuls en cas de crise. Alors, hop, on va visiter... Ah, bah non, on peut pas visiter les gens. Hein, Vlad? T'es venu me chercher? Oui. Oh, désolé de t'avoir bousculé. Nous ferions mieux de nous dépêcher avant que le rocher ne tombe. Et il nous montre le chemin. Je vais réussir à rentrer dans sa maison. Et on va voir... Rien à pitié. Hop, hop, hop. Là, il y a un gros caillou. Allez. On va suivre le chemin que le monsieur a emprunté. Oh là là. Bon bah non. L'autre chemin alors. Oh bah non. Oui. Je pense que le jeu nous dit d'aller par là. Est-ce qu'on peut rentrer chez quelqu'un? On peut rentrer chez quelqu'un. Une bouteille. Une bibliothèque. Ah, raté. Hop. Vlad examine les rayons. Il y a un livre intitulé « Faire un grand village ». Il doit être la maison du maire. Il a besoin de conseils. Être maire pour les nuls. En pratique. Vlad, que veux-tu? J'essaie de sauver mes affaires. Il a quoi dans son coffre? Quoi? Tu veux que j'abandonne mes affaires? Non. J'aimerais te piquer tes affaires.
C'est un rocher meurtre. Je vais perdre mon coffre et ma vie. Tu as raison, je devrais tout laisser. Filons d'ici. Garrett a rejoint votre groupe, c'est sympa. Le coffre contenant les affaires de Garrett. Ok, on compte. Même pas dire de l'ouvrir. Par là? Non. N'allons pas au nord, ce chemin va au Mont Alpha. Ok. La grande place est par là, nous devons aller vers le sud. Et alors comme on sait que les autres chemins sont bloqués... Oh. Ah, le rocher, il tombe. Et là, magie. Magie, 4 personnes arrivent à retenir un rocher. Un gros caillou, comme dirait Salania. Il est trop lourd, nous n'y arriverons pas. Sans notre synergie, Val sera détruit. Donc ça, c'est de la synergie. Voilà, c'est le nom de la magie. Nous devons tenir bon pour laisser le plus de temps possible aux villageois. Lui, il fait une pause. Dépêchez-vous, courez, c'est un peu plus loin. Plate, cours, le rocher arrive. Alors, ça, c'est la marche. Si j'appuie sur le petit bouton, je peux courir. Pas par là. Oh, un monsieur. Éboulement. Palissade détruite. Monstres partout. Je suis blessé. Tu penses que c'en est fait de moi? Non, on a de la magie. On peut soigner les gens. C'est horrible. Les monstres vont me... C'est bizarre, je me sens pas blessé. Le gars est footballeur. Faites attention aux monstres, ils sont sur le chemin de la place. Bon, bah c'est parti. Pas par là. Premier combat, une vermine. C'est donc un rat avec un balai. Ou une fourche, au choix. L'initiative est pour Vlad. C'est bien. Alors... Bah écoute. Normalement, bon, on n'en a pas de synergie. Moi quand même j'ai de l'herbe qui soigne. Un sabre. Tiens d'utile. Un sabre, bien utile. Une chemise et des gants. Bon bah écoute. Non. Regardez. Toi. Et pareil. Allez c'est parti. On va tuer des rats. Et il est pas mort le rat. Cinq PV. Eh ben c'est bon. Vous avez vaincu une vermine. Tout ça pour 2 points d'expérience et 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Elles sont riches les vermines par ici. Ok. On va passer par là. Oh. Et c'est une chauve-souris cette fois-ci. Bon, bah écoute. On connaît le... Hop, voilà. Hein. Ouh, coup critique. 17 PV. Allez, hop, boum. Une chauve-souris. Un point d'expérience. La chauve-souris rapporte moins d'XP que le rat, mais une pièce d'or. Les chauves-souris aussi sont riches. On va y arriver. On va y arriver. Alors. Ok. Des amanites. 2. On a encore l'initiative. C'est bien ça. Nous on va pas fuir, on va prendre de l'XP. C'est important l'XP au début du jeu. Hop. Et boum. Ouh, les amanites peuvent contre-attaquer. Un coup de champignon. Le groupe d'amanites, c'est bien ça, ils ont réduit. On peut dire 1 et 2. 2 points d'XP, 4 pièces d'or. Ouh, les amanites sont une source d'argent, du coup. Alors. Y'a quoi par là? Y'a quelque chose. Je vais voir ce qu'il y a par là d'abord. Des rochers. Oh, un chemin. Un autre chemin. Bon, bah, pas par là, du coup. Nous ne pouvons pas contourner ce rocher. Oh.
Nous devons trouver un autre chemin. Bah oui. Allez. Non, l'escalier est là. Quelle catastrophe. Ils sont vraiment à flanc de colline. Oh, non, mon frère. Une nouvelle crise à gérer. Ouais. Tiens bon, Pavel. Pavel va s'en tirer, nous allons trouver comment le sauver. Ou pas. Non, Pavel. Ah bah si. T'es les costauds, le gamin. Manifestement, la rivière est très agitée et il arrive quand même à se maintenir. La corde est trop courte, servons-nous de notre synergie, on a tué encore. J'ai utilisé toute la mienne, et toi, Kyle? Je suis épuisé d'avoir aidé les villageois. Riche idée de maman. Cherchons des secours. Riche idée de maman. Pavel pourra-t-il tenir assez longtemps? Pas apparemment, hein. Il arrive à pas se faire emporter par le courant quand... Quand il y a des tourbillons qui se forment, on les voit sur le côté. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Non, il n'y a rien que nous puissions faire, non. Allez chercher de l'aide. Vite! Lina, peux-tu y aller? Tu trouveras de l'aide. Ton frère compte sur toi, Lina. Bien, allons-y. Alors l'avantage, c'est que si t'envoies la sœur et que le frère se noie, bah, elle n'aura pas vu son frère se noyer, c'est pratique. Je vais voir au nord, va vers la grande place, compris? Oui, madame. Nous cherchons quelqu'un à qui il reste de la synergie. Est-ce que la synergie fait le café aussi? Vlad? Tu as vu ça? Oui. Je vais chercher de l'aide avant que Pavel se noie. Vous pourriez pas m'aider? Si, peut-être. Lina est allée à la grande place, rattrapez-la. Ok, maman. Salut, maman. Vite, on court. Et on va prendre notre temps pour rentrer. Voilà. On va y arriver. Pas de bibliothèque. Bande d'illettrés. Oh, Vlad. Vous n'avez pas assez de synergie pour sauver Pavel. Trouvez de l'aide. De toute façon, on n'a pas de synergie, c'est plus simple. Courage, Pavel. L'aide est en route. Mais oui, je suis en train d'aller chercher de l'aide. Tiens bon, Pavel. Oui. Pavel, ça va? Alors, on passe par en bas, on passe par au-dessus. Donc, ils habitent à flanc de colline, manifestement. Oui, je vais beaucoup zigzaguer. Un groupe mixte cette fois-ci. Une vermine et une chauve-souris. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'options. 5 PV quand même, hein, la chauve-souris, elle fait mal. Mais au moins, elle vampirise pas. 7 PV, ou ça doit être une fourche, ouais. Ou une fourchette. Bref. C'est une bonne question. Si je demande d'attaquer la même cible et que... Aïe. Donc il se défend s'il a plus de cible, ok. Bon, c'est bon à savoir. Trois points d'XP, 3 pièces d'or, ok. 2 plus 1, ça fait 3, on est bon. Est-ce qu'on peut passer par... Non. Donc on va passer par là. Non. Je veux rentrer. Voilà, je veux rentrer chez les gens. La kleptomanie, pour ceux qui suivent Salania et son run de Siberia 2, c'est un thème récurrent. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy 7 aussi, on rentre chez les gens, on vide les tiroirs. Et c'est souvent pratique. Le 7, le premier. Le vieux, celui de PlayStation 1. Non. On va y arriver. Un livre intitulé La puissance de la nature. Les raz de marée et les éruptions volcaniques sont au-delà de la compréhension humaine. Et donc rappelons-le, c'est un monde médiéval fantasy. Ils n'ont pas encore tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une bibliothèque. Oui, j'aime lire les bibliothèques. Enfin, des livres dans les bibliothèques.
Il y a un livre intitulé La pierre synergie. Ah, la synergie est rechargée en touchant une pierre synergie. Ça, c'est pratique. Marche comme une batterie. Oui, alors je joue avec le joystick, ce qui veut dire que je vais beaucoup zigzaguer. Hop, mais c'est plus confortable. La boutique est-elle ouverte pendant la crise? Oui, mais il n'y a pas de vendeur. Est-ce qu'on peut voler quelque chose? C'est le bon moment. Bah non, apparemment on n'a rien à voler. Hop. Donc on n'en est pas encore à ce stade du jeu. Bonjour madame. Lina est partie par là. Non. Pas d'autres lignes de dialogue. Ouh, tu me demandes si j'ai de la synergie, Vlad? Bah oui, tiens, c'est pratique. Si j'avais 10 ans de moins, je vous aurais aidé, mais je suis trop vieux. Des excuses, toujours des excuses. Tu crois vraiment qu'à mon âge, on peut encore se servir de sa synergie? Ah si. Genre c'est pas comme dans D&D où plus tu vieillis, plus t'as de wisdom et plus tu peux faire des trucs... Non. Toute ma synergie m'a servi à bloquer les rochers. Il y en a quand même un paquet qui sont tombés. Et une auberge. Et l'auberge, on peut pas aller dans l'auberge. On peut rentrer chez les gens. T'as quelque chose... Ah, le forgeron, manifestement. Il y a une échelle. Ah non, c'est un rack. Tempi. On est reparti. On va y arriver. Bonjour madame. Oh, Pavel est tombé dans la rivière. C'est pourquoi Lisa était si stressée. Je pense qu'elle a demandé à tout le monde. Toi, tu découvres ça. Bon, d'accord, attends. Non. On n'est pas dans Zelda, on peut pas les casser. Quoi, le clipping? Non. Mais... Il y en a un jar. Ouh, un caillou. Il me reste encore un peu de synergie. Là, cet enfant a plus de synergie que nous. Ouais, bon, alors si c'est pour faire ça... Tu vois, impressionnant, hein? Non. Non, non. Ouh. Cutscene. Allez, aidez les anciens. Le rocher est trop lourd pour qu'il résiste. Ah, tu vois, les anciens. Bref. Le chef du village qui parle, j'imagine. Des gros musclores. Comme ça, il doit avoir plein de synergie. Nous ne pouvons pas laisser le rocher raser notre village. Allons chercher les anciens. Je vais faire des voix aléatoires, jusqu'à ce que je tombe sur des voix qui m'intéressent. Nous comptons sur toi. Bon bref, ils sont deux, mais on a dit sur toi. Grand-père, Lina... Ah, donc c'est le grand-père de Garrett. Ok. Garrett, Vlad, vous venez m'aider? Bah oui. Lina m'a parlé de Pavel, c'est pour ça que vous êtes ici. Oui. Brave garçon, Lina peut avoir besoin d'aide. Oui, elle a besoin d'aide. Ah, une gonflée à bloc. Comment vas-tu? As-tu récupéré ta synergie? Donc ça doit être une pierre de synergie. Assez, pour sauver Pavel, grâce à la pierre synergie. Exactement. Je suis trop fort. Ok, Lina, dépêche-toi. La route peut être bloquée par des rochers. Vous deux, guidez-les. Ok. Merci, Vlad. Yeah. Est-ce que nous on peut se recharger? Le groupe regagne tous ses PP, donc les PP c'est le point de synergie, j'imagine. Le temps joue contre nous, dépêchez-vous. Ouais, ça va. C'est un JRPG. On a tout le temps du monde, comme d'hab. C'est pas... Bah, genre, non, c'est pas... Elder Scrolls 2, 3. Ou si on n'est pas assez rapide, la fin du monde arrive et tout le monde meurt. Là, d'examine des rayons. Il y a un livre intitulé « L'étiquette pour les voyageurs ». Oui, c'est important d'étiqueter vos bagages. C'est important. Il est impoli de ne pas se présenter au maire de la ville. Je pensais pas à ça, mais oui. Bon, bref. En ces temps de crise, nous allons nous dépêcher. En marche. Bon, allez, je déconne. Est-ce qu'on peut quitter le village? Il y a une barrière. On est des héros, donc on va aller sauver des gens. Tiens d'ailleurs. Non, ça c'est pas mal. Je peux mettre en veille le jeu. Pourquoi pas, je peux sauvegarder. Ça c'est bien. Allez, on va sauvegarder. Je vais écraser ma vieille sauvegarde. Hop. Oui. Petite musique sympa. Partie sauvegarder. Voilà, le menu apparaît comme ça. Est-ce qu'on a le statut du groupe? On est toujours que ces deux-là. Ça nous sert à rien. Ouais, on va se soigner. Et on est parti. Non, raté, j'appuie sur le même bouton. Ah, là, 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 là.
Ah. Non, pas, nous sommes là. Baisse-toi, Alina. Eh oui, maman de Vlad. Oui. Je n'ai pas pu trouver d'aide. C'est un petit village. Comment avez-vous... Vous tombez à pic. Alors, mon frère est toujours bas, apparemment, oui. Pavel va bien. Optimiste, maman. Pavel va bien, il est là. Descendez ici, que nous sauvions Pavel. Voilà, donc on a une maman qui donne des ordres et on obéit. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Attention. Pour citer Salania, un gros caillou. Ouh là là. Ah. Ben voilà. Hein, Pavel, c'est fait. Et puis, une partie de la population du village aussi. Bonjour, monsieur. J'y vais. Non, je peux pas bouger. Vlad, trouve de l'aide. Ça, c'est à nous de tout faire, quoi. C'est un gamin, hein. C'est un gamin, il fait tout. Il trouve de l'aide, il fait la cuisine. Vlad, le rocher, nous avons besoin d'aide ou tout le monde va se noyer. Après avoir pris un rocher sur la tronche... Maman, papa, Pavel, ne me laissez pas seul. Du trauma. Et j'imagine que Kyle, c'était soit notre papa. Non, impossible, Kyle. Ce doit être un rêve. Ok. Non, rien d'autre à dire. Bon, le chemin est bloqué. Donc allons trouver de l'aide plus loin. Ah. Oui, et les vieux jeux GBA. Vlad! Je peux pas le laisser y aller seul. C'est sympa, mec, c'est sympa. En étant comme cela, notre union fait notre force. C'est assez vrai. Il aurait fallu plus de gens que de la synergie. Ouh, ça, c'est un portrait de méchant, ça. Il a une méga mèche, des yeux rouges. Un visage tout pâle, un genre de tatouage. Nous sommes les deux seuls survivants. Et une musique de méchant. Et une méchante, du coup. Comment imaginer que le temple de Sol soit si en colère? C'est un miracle que nous ayons été épargnés. Cet interrupteur, ce devait être un piège. Bah manifestement, ouais. Pensez qu'il pourrait invoquer une tempête de cette puissance. Une preuve de la terrible puissance de l'alchimie. Donc on nous parle de synergie et maintenant d'alchimie. Ok. Nous n'échouerons pas la prochaine fois que nous reviendrons. Putain, ils ont prévu de revenir les mecs. La prochaine fois, nous réussirons. Vlad, attends. Et c'est mort pour la discussion. Vous écoutiez notre conversation, hein? Non, non. Vlad? Vlad, ils ont l'air effrayants. On doit vraiment leur parler? Non, non. Elle est d'accord, non, non. Vous devez oublier ce que vous avez entendu. Ouais. J'ai comme un sentiment que... Oui. Ça va être définitif comme solution qu'ils vont nous proposer. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à oublier. En effet. Une inconnue apparaît. Un inconnu apparaît. Un inconnu vous offre des fleurs. Écoute. Ouh, coup critique. 10 PV. Attaque simple, 20 PV. Oui, c'est cool, oui, il est un peu mort, ouais.
Et une boule de feu pour finir le taf. Allez, boum. 66 PV. Il en avait combien? Quelque chose comme 23. Un peu overkill, mais c'est pas grave. Garrett s'écroule, oui. Le groupe de Vlad a été mis KO. Ah, seulement KO. Bah voilà. Fin de l'aventure, merci d'avoir suivi. Il saute de falaise en falaise comme ça, enfin de morceaux de colline en morceaux de colline. Et on retrouve l'écran titre du jeu Golden Sun. Le jeu a effectivement 20 ans maintenant. Enfin, plus de 20 ans même. 3 ans plus tard. Grosse convalescence. Ça papote doucement. Ça répare des toits. Vlad, t'as pas encore fini de réparer le toit. Sympa, maman. T'as presque fini? Ok, continue, ça va. Yeah. Toujours en train de t'entraîner, Garrett. Yeah. Ah, il a appris à utiliser la synergie, il pousse. Un gros machin. Tu mets du cœur à l'ouvrage, Garrett. Ah, perdu sa concentration du coup. Oh, je viens de terminer. Bien, il est temps d'y aller et j'allais te laisser derrière. Dis, que vous est-il arrivé exactement? De quoi? L'accident, il y a 3 ans. Est-ce pourquoi tu étudies la synergie? Oh, bah il est triste ou non? Merci de t'inquiéter, mais ni ma famille, ni le père de Vlad ne reviendront. Jamais. Je veux juste oublier ce jour. Si tout le monde pouvait faire comme moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous étions allés chercher de l'aide. Bien, Vlad. Rendons visite à Telos. On nous a trouvé inconscients. Voilà. Et toi qui parles en même temps, c'est difficile. Quoi, Garrett? Hein? T'allais dire quelque chose, non? Non. Non. Relax, Garrett. Quoi? Elle parle de Jones. Oui, bon. Lina, tu me fais la tête. Je veux pas en parler. Nous attend. Mais Nina, elle est colère. Elle est toute colère. Si t'es trop lent, je te laisse derrière. Nina. Ah bah lui aussi, il apprend la synergie. Pour boucher des trous dans le toit en chaume. Oui, c'est une façon de s'entraîner. Et puis il fait ça bien. Hein. Au travail, Vlad. T'as les toits en chaume sont plus solides que ceux à quoi je m'attendrais quand même. Tu t'es bien débrouillé. Bien, nous sommes parés. On peut compter sur toi, Vlad, comme ton père. Bon, Kyle était bien son père. Vlad, tu penses toujours à l'accident? Bah oui, quand même, je me suis fait mettre KO. Je m'en doutais, Vlad. Puis tu viens de parler de mon père qui est décédé, quoi. Garrett et toi, vous vous êtes démenés pour maîtriser la synergie. Tu penses que les choses auraient été différentes si tu avais été plus fort? Oui, alors on va jouer le héros. Oui. C'est ce que je pensais. La mort de Kyle m'a fait beaucoup de peine. Méthode. J'étais si triste.
Il m'a fallu du temps, mais ça va mieux. Je t'ai toujours, Vlad. Le gars s'apprête à quitter le village, je pense. T'as presque 17 ans. Ah oui, quand même. Tu ressembles énormément à Kyle lorsqu'il était jeune. Je me demande ce que la vie te réserve, mon chéri. Madame. Bonjour, Lina. Bonjour. Ah, oui, bonjour. Il y avait beaucoup de monde sur un seul toit. Mais c'est Gareth. Comptez-vous aller aujourd'hui? Il n'en avait pas parlé à maman. Nous allons au mont Alpha avec Telos. Vous allez faire un peu d'escalade, hein? Ah, c'est jeune. Non, ça fait partie de nos études. Ah oui, l'alchimie. Ah d'accord. L'alchimie est la source de toute synergie. Ah. Du lore. Et vous savez que le mont Alpha est l'origine de toute alchimie. Ok. On dit que Telos est le meilleur professeur. L'alchimie, je me demande à quoi elle sert. Bah tu viens de le dire, à faire de la synergie, quoi. Elle parle d'elle à la troisième personne. Ta mère préférerait te voir grandir comme un homme ordinaire. Je suppose que vous irez quand même. Bah ouais. Si ça ne vous fait pas changer d'avis, alors rien n'y fera. T'es aussi têtu que ton père. Soyez prudente, madame. Ah. Ouch. Gareth, non. Ouch. Allez. Un toit à refaire. Un. Oh, c'était génial. Ok. Désolé de vous avoir causé cette petite frayeur. Bien. Je suis désolé, la prochaine fois je vous laisserai passer. Attends, pas ici. Hein? Mais que... C'est pas grave. Je ferais bien de descendre maintenant. Tu ferais bien de descendre maintenant. Avant de causer plus de dégâts. Cette vieille maison va s'effondrer si vous restez dessus. Oui. Oui. Manifestement. Je vais tout réparer. Pas besoin de me tenir compagnie. Merci, madame. Appelle-moi Dora. Nous descendons de ce pas. On va passer à travers le toit, lui. Attends, Gareth. Fais attention où tu mets les pieds. Bah oui. On a déjà fait deux trous. Gareth et Lina ont rejoint votre groupe. C'est pratique. Et maman. Va tout réparer toute seule, du coup. Hop. Et c'est le bon moment pour faire une petite sauvegarde. Et on va faire un peu. Je vais faire rouler les sauvegardes. Un roulement sur les sauvegardes, c'est toujours pratique. Hop. On va prendre un petit temps. Hop. Pour couper un petit moment. Voilà, tout simplement. On dit à plus pour ceux qui regardent sur YouTube. Je vais essayer de découper comme ça en segments d'une trentaine de minutes. Et on va pouvoir reprendre rapidement après. Ne vous inquiétez pas sur le live. Voilà, tout simplement. J'ai remis le clap. Commentez, likez, abonnez, partagez. Pour ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu, qui seraient trop jeunes pour avoir joué au jeu à l'époque, ou qui n'avaient pas accès au jeu à l'époque, et qui veulent me regarder dire n'importe quoi pendant que je joue, eh ben écoutez, c'est l'occasion. Voilà. Allez. À plus. Bisous. Et nous, on y retourne. Hop. On a dit qu'on allait au nord cette fois-ci, mais... Je vais vérifier... un truc. On y retourne. Bon, là, hop.
Qu'est-ce qu'on a comme objet avec nous? Elle, elle a un bâton. Un bâton. Voilà. Donc, hop, une robe, des gants, de l'herbe. Ils ont tous de l'herbe. Tac, tac, ok. Ah, maintenant, il est passé de la machette à l'épée courte. Lui aussi. Ou en chemise et en gants. Le bâton. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le... Non. Ok. Ok. Du coup, les détails. Ouh, plus 4 d'attaque sur le bâton. Hop. Eh ben écoutez. Hop. Ah, elle est pyromancienne. Ben voilà, elle va tout faire cramer. Et là, elle peut faire flamber des choses. C'est pratique, utilisable en combat, c'est bien. Lui, c'est un garde. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme synergie? Il peut déplacer et faire flamber des trucs. Alors. Ok. Donc, déplacer, c'est mono-cible. Flamber, c'est multi-cible avec un truc plus fort au milieu. Et lui, c'est un écuyer. Ok. Il n'y a pas beaucoup de chevaux pour l'instant, mais un écuyer. J'imagine plutôt apprenti chevalier. Donc, soin mineur. Déplacer les trucs et fuir. Ok, il a appris à se casser rapidement. Ok. Et il a combien de PP de base? 18, 16, 26. Donc elle va avoir pas mal le rôle de mage en général. Hop, tiens. Une vieille personne. Le mont Alpha est très beau aujourd'hui. Il est si calme. Ok. Oh, il y a un truc. Non, raté. Là. Non. Raté. Ah. Et oui, faut pouvoir rattraper avec la synergie pour ça. Ah putain, en 3 ans. Ok, en 3 ans, ils ont rien reconstruit. Cet endroit n'a pas changé depuis 3 ans après la tempête. On peut pas rentrer. C'est une... Oh, il y a un monsieur là-bas. Ah si, je passe par là, je peux peut-être aller lui parler, maintenant qu'il n'y a plus de rochers pour bloquer la route. Vlad, attention, t'approches près de rivière. Ok, mec. Tu n'as jamais rêvé de voir le reste du monde. Moi, si. Un jour, je quitterai Val. Il y a des livres intitulés Voyage vers Angara. Ok. Et tout sur Gondowan. Gondowan. Vlad a appris que le mont Alpha est à l'ouest d'Angara. Ok, on aura peut-être accès à une carte à un moment ou à un autre, qui nous permettra de nous servir de cette information. Bah les vieux, j'espère que vous n'emmènerez pas Lina hors du village. Je crois qu'en fait c'est le plan. Un cahier appartenant à la tante de Lina, ah d'accord, ok. Il contient des dessins que la tante de Lina et sa mère ont dessinés quand elles étaient petites. Ok, beaucoup de souvenirs. Ma petite fille Lina est à nouveau heureuse. C'est grâce à Garrett et à toi, Vlad. Lina est le portrait craché de sa mère. Nous avons perdu ce jour maudit. Je souhaite que Lina soit heureuse. En fait, c'est Lina le personnage principal du jeu. Ok. On va y arriver. Oui, c'était par là. Je voulais voir la place du village. Oh, tiens. Peu de gens hors de Val possèdent le pouvoir de la synergie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une permission pour partir, afin de protéger le secret de la synergie. Ah. On va y arriver? Non. Là. Ah. Vlad examine les rayons. Il y a un livre intitulé Les lois du Val. Ok. Qui décrit les coutumes de Val. Obtenez la permission de quitter le village. Ah oui, vraiment quoi. Ne jamais montrer votre synergie aux étrangers. Ok. En fait, c'est des Jedi. Oui, ça va être un thème avec moi. Non, celui-là, on est déjà rentré. Rien de nouveau à voir. Hop. Oh. Musclor. J'ai appris que Telos avait de la visite. Servons-nous de votre synergie pour les effrayer? Bah non. Pff, t'es trop sérieux, Vlad.
Seul quelqu'un ayant de la synergie pourrait nous griller. D'accord, donc c'est vraiment un truc que... seulement les gens qui savent ce qu'est la synergie peuvent voir. Bon, ma courbe de synergie marche un peu pour la regagner. Ah oui, d'accord, ok. Pratique, ça se recharge tout seul. Hop. Tiens, toi, t'as appris à faire des trucs depuis 3 ans. Avec la synergie, plus tu t'entraînes, plus tu apprends. C'est bien. Je suis coincé. Je suis plus coincé. Les voyageurs qui sont arrivés ce matin, ont-ils rencontré le maire? J'en sais rien. Il est d'usage de rendre visite au maire en arrivant en ville. C'est honteux de pas le faire. J'ai peut-être créé un incident diplomatique, c'est pas grave. Mon grand-père était un puissant mystique, j'en suis fier. Ok. Mon père aussi est mort dans cette tempête il y a 3 ans. Je rentre perfectionner mes techniques pour être capable de me défendre. Ok. Bonjour madame. Mon fils est encore jeune. Alors ne le fais pas trop travailler. Il ressemble à son père, il deviendra un homme bien, comme lui. Ok, mais tu veux pas me forger? Non. Pour l'instant, je n'ai pas encore le droit de forger des éléments, des trucs comme ça. La boutique aurait-elle des trucs à vendre? J'imagine que nous... Bonjour. Bienvenue, nous avons tout ce qu'il faut. Ah bah si, on peut acheter. On peut vendre, on peut... Des reliques. Nous n'avons pas de rareté en ce moment, revenez plus tard. Ok, c'est une mécanique pour plus tard. Réparer, je vois. Que puis-je réparer? Ok, donc les éléments qu'on a peuvent s'abîmer. Ok, ça marche. J'ai 300. D'or, qu'est-ce que je peux acheter? De l'herbe et quelque chose qui réduit le poison. Ok, faut voir à qui on va le donner. Ça marche. Ok. T'as 20 pièces. Oh, c'est l'inflation. Pas pour tout de suite. Hein. Ah, du coup, c'est ici qu'on achète les armes. Bienvenue, jetez un coup d'œil sur nos armes. Acheter, vendre les reliques rares. Et réparer l'équipement. Ok. Que désirez-vous? Waouh, une épée longue. Ça coûte un bras. Une épée courte, on en a déjà une. Masse, un bâton, on en a. Bon, bref. On a déjà ce qu'il nous faut. On est au début du jeu. Luisser les armures, ça marche. Donc, une chemise. Hop là. Un gilet de voyage, une robe. Un bouclier en bois, des gants et un chapeau en cuir. Ouh, un chapeau en cuir. Ah oui, et puis du coup, ça améliore. Ah, c'est pas mal. Oui, donc ça, ils en ont déjà. Le bouclier... Elle a pas le droit d'utiliser de bouclier, parce que le bâton est à 2 mains, j'imagine. Hop. Et quoi, on va garder l'équipement de base pour l'instant, et on va avancer tranquillou. Bonjour. Tu as vécu un seul moment il y a 3 ans. Ouais. T'as perdu ton père, Lynn a perdu toute sa famille. Dur. Au moins les grands-parents de Lynn ont pris soin d'elle. Les Valois sont un peuple élu. Pas sympa, tiens. La synergie en est la preuve flagrante. Ok. T'as pensé à méditer tous les jours sur le mont Alpha? Non. C'est mal, Vlad. Ouais, sympa. Le mont Alpha veille sur Val, médite tous les jours pour préserver la paix et la quiétude. C'est un culte. Ce village est un culte. Hé, hey, Vlad, je t'ai montré ma nouvelle capacité? Pas encore. Vraiment, tiens, voilà une petite démonstration. Pas une bonne idée de faire trembler la terre à un endroit où il y a déjà eu des éboulements, je crois. Ouah, la puissance de la synergie. Ah, impressionnant, hein. Ok, mec. Donc, là, on sait qu'on peut regagner les PP. Tiens, encore une belle journée bien calme aujourd'hui. Telos avait la visite quand je suis passé devant ce matin. Je me demande ce qu'il voulait. On peut toujours pas quitter le village, évidemment. Eh ben écoute, on va passer par là? Non. Eh ben on va passer par là-bas. L'escalier est là. Non, là, il n'y a rien de mieux. Donc ça revient à notre maison de mémoire. Ah tiens. Qui tu es, toi? Val doit rester caché.
Le secret de la psynergie ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui connaissent déjà la psynergie, qui sont déjà des mauvaises personnes. C'est l'une des lois de notre village, transmise depuis des générations. Ok. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la vieille dame. Ça, c'est le truc qui part de bruit. Y'a pas une autre partie du village que j'avais pas vue? Je tourne en rond. Allez. Donc là, on peut pas encore attraper, on pourrait le pousser. Oh, des chiens! Ouf, ouf! Des chiots jouent à cet endroit. Nous devrions les laisser. Quand c'est pas des rochers, c'est des chiens. Allons voir chez les gens. Bonjour, monsieur. Alors, Telos est venu à Val pour étudier le mont Alpha, hein? Apparemment, oui. Il disait qu'il étudiait le mont Alpha et l'alchimie. Mont Alpha, alchimie, sont-ils liés de quelque manière? Manifestement. S'il y a des visiteurs en ville, nous ne devons pas utiliser notre synergie. Les lois disent que le secret doit ne jamais être révélé. Ok. En Paris, on brise les lois dans 5 minutes. Donc là, on va rentrer chez Gareth. Bah oui, il y a le vieux du village. Je crois que Telos a encore des invités. Quelle popularité! Gareth et toi avez grandi. Vous devez plus perdre votre temps. Ok. La moindre des choses, c'est que des visiteurs se présentent au maire. Il semble que certaines personnes en ville ne fassent même pas ça. Où va le monde? Je vous le demande, monsieur, où va le monde? Gareth s'est bâti un corps d'ours depuis 3 ans. Ok. Veille bien sur lui. Ok. Ok, mec. T'es mal barré, Gareth. Ta sœur est furieuse. C'est la sœur. Gareth, t'es si énervant parfois. Ta pierre d'entraînement a écrasé mes belles fleurs. Ouh. Pas bon, ça, pas bon. Tu vas y avoir droit, tu vas bien avoir. Est-ce que je peux repousser la pierre dans l'autre sens? Je vais venger mes fleurs, tu verras bien ce qui arrivera. Ok. Elle est colère. Je suis jalouse de toi, Gareth, car ton grand-père est le maire. D'accord avec moi, Vlad? Non, ça va, j'en ai rien à faire. J'y crois pas, Vlad. J'aimerais tant entendre les histoires des voyageurs. Ah! C'est pour ça qu'elle est jalouse. Bonjour, madame. Val reste immaculée grâce à la pureté du mont Alpha. Souillez cette poupée, vous risquez une terrible punition. Ouais. On a vu ce que ça a donné il y a 3 ans. Ah, encore quelqu'un. Vous avez besoin de passer? Bah ouais. Vous devez aller chez Telos. Non. Arf, arf, bon, on retombe sur nos chiens. Hop. Les toutous, les toutous. Oula. Il ne semble pas au courant des mystères du temple de Sol. Le retour du méchant. Les anciens ne permettent à personne d'y entrer, pas même Telos. Telos, peut-on lui demander de l'aide? Ses connaissances sont vastes, nous pourrions essayer. Mais il est plus têtu que nous imaginions. Et rusé également, rusé à un tel point. S'il ne vient pas de son plein gré, nous pouvons toujours... Oui, il est fort celui-là. Bonjour. Ouh, qui va là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous écoutez notre conversation? Non. Je devrais vous croire. Hé, c'est vous qui nous espionnez. Espionner? Qui êtes-vous pour m'accuser? On est les gentils. C'est avec vous que Telos avait rendez-vous. Exact, on a rendez-vous dans quelques instants. C'est sympa de donner des infos. Et ce rendez-vous est assez important pour... Voyez. Bah apparemment oui. Si votre rendez-vous est plus important que le nôtre, alors...
Allez-y. Ça, c'est la surprise. La dernière fois, ils nous ont laissés pour mort. Vous nous laissez partir? Es-tu sûr, Salamandar? Ah oui, il a un nom comme ça, quoi. Ok. Nous n'avons aucune raison de retarder ces enfants, Phénixia. Ok. Bien, allons-y, Vlad. Ils nous suivent du regard, quand même. Oui, je vous fais tourner en rond. Allez, les enfants, ne faites pas attendre Talos, moi. Il a un rire de méchant. Vous feriez bien de partir avant qu'on change d'avis. Je me barre. Au revoir. Tiens. Si, ils ont pas réparé le truc. Quoi qu'un rocher, ça fait une barrière. Hein. T'as entendu les rugissements terribles venant de la barrière? Bah non. Vraiment, y a quoi qui les entend? Ok. Donc si je me souviens bien, par là, il y avait des combats, mais maintenant, il n'y a plus rien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut regarder en 3 ans? En 3 ans? Rien de plus. Et les chiens sont partis. Voilà comment on fait partir les chiens. En déclenchant une cutscene. Mais alors du coup, si je vais par là, qu'est-ce que je déclenche? Ah bah le temple. Du coup. Mais est-ce que je suis censé aller là? Oui, un soleil, temple de sol. Allez, va. On y va quand même et on voit ce qu'il se dit. Notre psynergie nous a été donnée par les forces du mont Alpha. La psynergie exauce les vœux du peuple élu. Ok. La psynergie doit être utilisée pour le bien, jamais pour le mal. On en parle des deux visiteurs. Ceux qui ont de la psynergie sont des mystiques. Ce sont les messagers du bien. N'oublie jamais ça. Ok. Bon bah écoute, on reviendra. Donc si, c'était bien par là qu'il fallait aller. Hop. Recoucou. Hop. Qui était-il? Ils en savent trop au sujet du temple de Sol. Des choses que même nos anciens ne connaissent pas. Et que disait-il au sujet des éléments? Les éléments alchimiques. La terre, l'eau, l'air, le feu. Tous les éléments vivants étaient en harmonie. Merde, moche. Ils veulent rompre l'équilibre. Et les quatre étoiles élémentaires en sont la clé. Ok. Ce sont des choses que même moi, un sage, je ne sais pas. T'as mec, tu sais pas grand chose en fait. Je peux voler ton herbe? Non. Il y a un arbre sur le chemin. Donc ça ne sert à rien. Bonjour, on doit te parler. Oh Vlad. On dirait que quelque chose t'ennuie. Moi? Eh bien... Ce sont ces deux-là. Oula, où ça? Ok. Je sais qu'il y a eu un peu de mal. Hop, prends le focus. On est reparti. Ce sont ces deux-là, Salamandar et Phénixia, c'est bien ça. Ils sont toujours là. Ils sont pénibles. Voulait-il te demander quelque chose, Telos? On dirait que c'est le cas. On dirait. Le mont Alpha et le temple de Sol, ils en parlaient, comme s'ils les avaient vus de leurs propres yeux. N'est-ce pas étrange? Ben si, un peu. Oui, on peut aller au mont Alpha sans une bonne raison. S'ils sont entrés subrepticement, ils doivent être des voleurs. Ok. Ou pas content. Nous devons prévenir les anciens et les villageois. Attendez! Je sais pas si ce qu'ils ont dit est vrai. Nous ne pouvons rien faire avant d'être certains. Que devons-nous faire?
Allons vérifier. Ah bah oui, tiens. Ouvrons la porte. Quoi ? Tu veux aller au temple de Sol, mais... Ah, c'est impossible. Pourquoi le serait-ce ? Parce qu'escalader le Mont-Lfa est interdit. Bah apparemment, oui. Nous allons juste voir s'ils sont allés sur la montagne. Ça, c'est pas interdit, non ? Tout ira bien s'ils ne nous voient pas, hein. Oui. C'est vrai, nous faisons rien de mal. Ce sera notre petit secret, ok ? Oui. C'est décidé. Vlad, tu seras le chef, ok ? Eh bah, allez, vas-y. Il y a des endroits dangereux entre le mont Alpha et le temple de Sol, mais ça devrait aller, pas vrai, Vlad ? Oui. T'es plus prudent que Gareth, Vlad, donc ça devrait aller. Allez, boum, tacle, gratuit. Ne sois pas aussi incisive. C'était même canine. Oui, ça va être spécial jeu de mots. Hop. C'est notre meilleure option. Bien. Allons-y. Hop. Et c'est le moment de faire une mini-pause. On regarde. Roulement des sauvegardes. Et je refais une pause. Voilà. Comme ça, on redécoupera à peu près par ici pour YouTube. À nouveau, on fait une pause. On se retrouve très bientôt. À nouveau, commentez, likez, abonnez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous avez trouvé que le son était bon ou pas bon. S'il y a des trucs à corriger. Ma voix, mon voice acting, s'il vous plaît pas, vous me dites, et puis après on voit ce qu'on fait, tout simplement. On revient dans pas longtemps, et à tout de suite. Et voilà, on se retrouve à nouveau pour la suite de Golden Sun. On va être bien, on va être tranquille. Petit résumé des épisodes précédents. On a survécu à une catastrophe. 3 ans ont passé. Les deux méchants, j'ai envie de les appeler les méchants, qui nous ont mis KO la dernière fois, donc il y a 3 ans, sont de retour et ils ont embêté un vieux monsieur qui nous a convaincu d'aller escalader le mont Alpha, source d'alchimie et de synergie, manifestement, donc de la magie de ce monde, pour aller faire des choses un peu sympas. On y retourne, et on est parti, tout simplement. On prend un peu d'eau, c'est important. Voilà, hein, toujours. Est-ce qu'on peut fouiller la maison du vieux monsieur, du coup ? Hop.
Ouf, il a un gros chaudron. Qu'est-ce qu'on a dans les rayons? Un livre intitulé « L'encyclopédie de l'alchimie ». Alors, hop. Par contre, là, on a un problème. Hop, deux captures de son, manifestement. Je vous demandais juste une seconde. Hop, on va voir si ça marche. Là là, il y a des jours. Hop, alors. Là, on a perdu le son du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez. Bon, donc effectivement, je suis embêté. Je n'ai plus le son du jeu qui est capturé. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose à ce propos. Même si j'avoue que je suis un peu perplexe. Coucou, la souris. Là, comme ça, tout de suite, à part redémarrer l'émulateur, je vais avoir du mal. On va trouver une solution, on va trouver une solution. Toujours, on trouve toujours des solutions. J'avais trouvé quelque chose qui avait marché. Tac, tac, tac. Tac, non. Non plus. On va jouer avec les paramètres, hein. On va voir jusqu'à ce que ça marche. Tac, lecture, le haut-parleur est bon. Donc non, c'est au niveau d'OBS que ça déconne. Tout. On peut mettre ça pour l'instant. Ça change un peu, donc on est sur Golden Sun, hein, toujours. Alors. Je suis bien embêté. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, le temps de trouver comment j'avais résolu le problème la dernière fois. Tac. Tac. Non. Eh bien écoutez, je suis dans l'embêtage le plus total et complet. Vous savez quoi? J'ai sauvegardé, on va redémarrer l'émulateur, et on se retrouve tout de suite. On est reparti. Tout.
Voilà. Des fois, hein. Hop. Allez, on y retourne. Là, on peut continuer. Voilà, on en était là. Et du coup, on rentre dans la maison du monsieur. Toute chose est constituée de quatre éléments. Terre, eau, feu et air. Ok. Oh putain, on va y avoir de la lecture. Vlad examine les rayons. La fontaine de Tolbi. La fontaine de Tolbi testera votre chance. Ok. À la recherche des Lémuriens. Ok, on n'en saura pas plus. Qu'est-ce qu'un Lémurien ? Hop, hop, hop. Non, j'arriverai pas à lire les livres. Ah. Ah ah. Il y a un cahier intitulé « Études de l'alchimie ». Donc le mec a étudié l'alchimie. C'est pratique. J'ai pas lu. Voilà. Pour comprendre l'alchimie, on doit comprendre les éléments. Ok. Et ça s'arrête sur une phrase énigmatique. Je sais pas ce qu'il a piqué là. D'autres livres. Ah, rien de bien nouveau ici. Ok. Un livre par terre, c'est important. Ah, j'ai gagné 5 pièces dans une charte. Ouh. Ok, donc comme dans Pokémon, il faut tout fouiller. Les poubelles des gens, tout ça. Non. Eh, hey, je viens de piquer 5 pièces d'or à un monsieur. Non, rien non plus là. Pas grave. Hop. Bon, bah on est reparti. Où sont nos amis? Oh là là! Qui, je le rappelle, sont les méchants. Le temple de Sol, c'est par là. C'est par là. Et c'est qu'il y a du mal. On retourne au temple de Sol. Non, c'est pas par là. Donc non, tant t'as déjà parlé. Par où on passe? Par derrière. Il y a des Oh! Oulala, 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 oulala. Quelqu'un n'est pas content. N'essayez pas de vous filer sur le mont Alpha, hein. Non. Je vais passer l'éponge pour cette fois. Mais je te surveille, jeune Vlad. Attention, séquence infiltration. Repère le pattern. Repère le pattern. Look for it. Ah, trop tôt. Mais non, toujours pas. Ah, trop tôt. C'est parti. Je suis passé. Ah ah ah. L'entrée de Sol. Ouf. Donc là, on s'attend à avoir des combats. Ou pas. C'est juste que c'est mystique. Une statue. Des statues. Oui, d'accord, moi j'ai cru que c'était le temple là-bas en bas, mais non, en fait. Ça, c'est le vrai temple. C'est l'entrée du temple de Sol. Tu n'étais jamais venu, pas vrai? Bah non, effectivement, pas vrai. C'est quoi cette question? C'est un vestige important de notre passé. Regarde bien autour de toi. Visite archéologique. Ok. Oui, je joue très très fort en plateformeur. Donc là, je connais le plus logique. Si vous voulez voir quelqu'un qui joue très mal à Zelda, vous me demandez. Je serai aussi absent. C'est grand. Des... Ah. Des chauves-souris dans un temple. Il a moins de gueule le temple dans l'image de combat que quand on le traverse. C'est marrant. On a l'initiative.
Ah oui, d'accord, Garrett, il a une grosse épée maintenant. Donc, en combat, lui, il peut soigner. Lui, il peut faire flamber. Mais il a pas tant de PP, alors du coup, il va attaquer l'autre chauve-souris. Et elle, au cas où, elle va tout faire flamber. J'imagine que grosse épée va faire plus de dégâts, donc on va cibler d'abord la chauve-souris qui aura déjà pris des combats. Et elle a l'initiative, elle fait tout flamber d'abord. Boum. Du coup, lui, sa cible est morte, il se défend. Et lui, il met un grand coup d'épée dans une chauve-souris. Le groupe de chauve-souris vaincu. Deux pièces d'or, 2 points d'XP, c'est parti. Ils aiment les labyrinthes à base de... Mais du coup, j'ai d'aller voir le chemin vert, moi. 3 chauves-souris. Bon, tu sais quoi? Hop. Et on va faire flamber celle du milieu, parce que si ça fait comme tout à l'heure... Allez, boum, coup critique. 20 PV sur une chauve-souris. Hop, on va y arriver. Ça m'intrigue, cette histoire de deuxième passage. Ah bah. Donc c'était bien l'autre passage qu'il fallait prendre. Wink, wink. Il y a même un troisième passage. Visage d'un minotaure, l'œil droit brille, mais il y a un trou à la place de l'œil gauche. Pareil qu'il est là-bas de l'autre côté. Oh, recombat aléatoire. C'est vrai que ça, c'est un truc. Je m'y ferai jamais complètement, les combats aléatoires. Hop. Bon. On va continuer cette tactique de flamber celui du milieu pour faire des dégâts. Supplémentaire au truc d'à côté. Hop. Ah, donc c'était un groupe de chauves-souris. Malgré la présence d'un rat. Ah, c'est agressif ici. Oh. Boum, allez. Ouais, j'ai pas bien réfléchi là sur ce coup-là. Donc là, elle a 23 points de synergie. Tut, tut, tut. Non, hein, je vais y arriver. Promis, promis, j'y arriverai. D'ici la fin du jeu, j'arriverai à faire les plateformes. Oh! Un coffre. Un petit joyau. Juste pour déconner, le petit joyau, qu'est-ce qu'il fait? Un joyau en forme d'œil. C'est un objet important. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de nos amis Amanites. Et donc oui, effectivement, simplement en marchant, elle regagne ses points de magie, donc c'est plutôt pas mal. Oui, bah comme ça, hop, elle a fait le boulot toute seule. Ok. Attends, on avait qu'un groupe d'amanites, mais il y avait 2 chauves-souris. J'ai pas encore compris comment ça marche. Si, c'est ça, ok. Et on trouve de l'herbe. La drogue. Donc, un trou à la place de l'œil gauche, il nous propose d'utiliser un objet, tac, et là on peut l'utiliser, hop, Vlad place la gemme dans le trou.
vous entendrez le son de la pierre en mouvement. Trapdoor. Non, rien. Non. Bon bah écoute. Ah bah l'autre entrée, du coup. Le premier passage par lequel je suis passé. Là. Recombat ? Oh, pas de combat sur ce chemin-là. Ouh ! Eh ben. Marbre blanc, marbre rose. Qu'y a-t-il, Telos ? C'est de là disait qu'un passage secret mènerait plus loin. Je suis venu ici assez souvent et je l'ai toujours trouvé bizarre. J'ai toujours imaginé que ce temple ressemblerait à quelque chose d'autre. Ou à autre chose. Que veux-tu dire ? Le temple de sol a été construit en hommage au soleil. Il devrait y avoir quelque chose pour le prouver. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait rien de tel. S'il y a un passage secret peut-être qu'il mène à... Bien, voyons voir si nous pouvons le trouver. Je crois qu'il est sérieux. On devrait l'aider, Vlad. Ben, on est venu là pour ça. Hein. C'est dangereux de nous séparer. Restons ensemble. Alors. Voyez-vous. Le jeu nous a appris récemment que l'on pouvait faire des choses comme ça. Mais celle-ci, non. Puisqu'il n'y a pas de petits cailloux autour. Juste devant l'escalier. Ah, des limons. Et nouveau les limons. Vous vous occupez des limons. Et elle se charge des chauves-souris. Là, mais c'est que ça. Contre-attaque en plus. Écuyer de niveau 2. Écuyer maîtrise tremblement. Ok, donc comme les Pokémon, ils augmentent leur stat. Ok, donc ça servait à rien de prendre le plus long chemin. Vous allez beaucoup entendre cette musique, je pense, durant tout le jeu. Il s'enfuit. Garrett passe garde de niveau 2. Lui, il apprend rien de nouveau. Bon bah à droite. Passer vite sur les combats, je vais pas le faire à chaque fois. J'ai vu un coffre. Je dois aller voir le coffre. Évidemment. Pyromancienne de niveau 2. Ah, un petit joyau. Eh ben écoute, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un nouveau... une nouvelle tête de Minotaur à réparer. J'ai pas regardé la nouvelle compétence qu'il acquise. On va passer vite.
Il a échoué à fuir, c'est bien lui. Alors, tremblement, attaque avec un séisme. Ok. On va soigner la copine. C'est quoi ? On va tout faire flamber. Fusil feu. Comme dirait Barmic. Voilà, boum. Mais du coup, par contre, le soin est pas passé. Il n'y a rien de plus à voir ici. Mais bon, on va prendre l'XP. C'est par là. Alors, techniquement, oui, mais j'ai pris le chemin le plus loin à nouveau. Hop, 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 hop. Cette fois-ci, on va le faire. Hop, soin mineur sur elle. Flamber tout ce petit monde. Flamber tout ce petit monde. Donc, normalement, Gareth étant le plus long, le plus lent. Hop. C'est vrai que c'est pratique vu que... Ah, donc il nous avait dit que l'Amanite allait nous attaquer. Ok. Une indication, le regard se porte sur... Intéressant. Hop. Là, on retourne là. Est-ce qu'il y a des combats ici? Tiens, c'est une bonne question. Donc, on a récupéré le joyau, j'imagine qu'il va nous servir. Ou pas. Ah, il y a des combats ici. Mais c'est vrai que comme ils récupèrent leur point de synergie naturellement, ça va être pratique, on va pouvoir les... On va pouvoir abuser de la magie assez souvent. Ouais, bon, j'ai gaffé. Perplexe. J'ai raté quelque chose. Bon bah écoute, c'est le moment puzzle game. Jamais. Donc non, c'est bien par là. Il y avait quelque chose par ici à aller chercher. Ok. Mina étant la plus rapide, elle va souvent faire le ménage. Boum. Ah oui. Probablement. Le tremblement est tellement fort qu'il fait sauter les chauves-souris. On va suivre le, on va faire le, la tactique classique quand on est dans un labyrinthe, on va suivre le chemin de droite à chaque fois. C'est une tactique, hein. Accélérer un petit peu le son, enfin la vitesse des combats. Ah bah voilà. Oh. Tout un tas de statues que l'on peut déplacer. Des statues, elles ne semblent hors d'atteinte. La clé doit être la psynergie. Vlad, essaye d'utiliser ta psynergie. Synergie, déplacer... Oh, du premier coup. Donc là, on va mettre le petit joyau. Oh, quelque chose se passe. Vous entendez le son de la pierre qui bouge. Alors attends, juste pour la blague.
j'ai décidé d'aller déplacer toutes les statues. Et pas toutes du même côté. Des fois qu'il y a une pièce, un trésor. Mais par contre, ça bouffe dans ses pépés de manière assez rapide en fait. Deuxième passage secret, on prend celui-là. Une apparition apparaît. Une apparition apparaît. On va peut-être éviter. Autant quand tous les pépés vont faire flamber de ce côté-là. Et toi, tu vas faire flamber de ce côté-là. Boum. Tintamar. Ah oui, ça fait mal quand même pour juste du bruit, en fait. Ok. Un petit peu d'XP. On se soigne ? On se soigne. On a de l'herbe. Sur. Lui. Ouais, 50 PV, c'est peut-être un peu abusé d'utiliser maintenant, mais bon. Comme tout à l'heure, on suit le chemin toujours à droite. Ça a l'air d'être une pièce importante. On ira après. Alors maintenant que j'ai vu qu'il y avait une pièce importante, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que les tremblements peuvent faire des dégâts? Oh. On va les faire flamber. Hop, comme ça on répartit les dégâts et puis on voit ce que ça donne. Oh là là. Ah, musique sympa. Nous l'avons trouvé. C'est la marque du soleil, le cœur du temple de sol. C'est comme je l'avais imaginé. Ce qui veut dire qu'il disait la vérité. Si ce qu'il disait était vrai, alors ce sont sans doute des voleurs. Ils sont venus piller le temple. Attends-nous de revenir au village et prévenir tout le monde. Telos, qu'y a-t-il? Nous sommes si près. Près? Près de quoi? Nous avons fait le chemin jusqu'au temple de sol, faire demi-tour et partir. Ça te pose un problème? Le temple de sol et la source de l'alchimie, ça serait dommage de... Qu'en penses-tu? Veux-tu aller plus loin? Bah carrément, ouais. Merci. Présenté comme ça, nous n'avons pas trop le choix. Je suis avec Telos, je veux y aller. Oh bah il est content. Vraiment, allons un peu plus loin alors. Bien, c'est décidé, allons-y. Oui, mais non... Ah merde. Un chemin mène hors du temple, ça devrait être dans ces salles. Tant pis. Bonjour, vous avez un miroir, madame. Ouh là là, la lune. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il y a une lune au centre, un dessin de Luna. Sol, Luna, aha. On doit représenter la nuit. Bravo, mec. Les pièces doivent être liées, tu ne crois pas? Ben ouais. Luna et Sol. Ces salles doivent renfermer un secret. Mais lequel? Qu'est-ce que ça veut dire, Vlad? Va du bien regarder au-dessus. Bah ok, ouais. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Ah.
Ah, au-dessus. Une pierre synergie. Il récupère tous les PP. Et c'est consommable, ok. Donc, ça, c'est une mine de synergie, ok. Donc là, on a nos amis les statues. Ok. On va pas utiliser le petit énergie pour des trucs qu'on peut pousser à la main. Ah ouais, très fort. Bon, alors du coup toi. Ouh là là. Il doit avoir trouvé quelque chose. Bah oui. Vlad, arrête, tu fais une grosse erreur. Vlad, attends. Qu'y a-t-il, Telos? C'était un mécanisme très intéressant que tu as trouvé, Vlad. Mais ça m'a tout l'air d'être un piège. Un piège? Pas dans la salle de Luna, tu comprendras. Ceci, ça veut dire que tu regardes au bon endroit. Mais si tu ne déplaces qu'une statue, tu seras coincé dans un piège. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi mettre un piège ici? Je sais pas, source de l'alchimie. À tout hasard. Je sais pas pourquoi, mais on doit protéger quelque chose d'important. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Peut-être qu'ils ont caché les secrets de l'alchimie, bah voilà. Voulez-vous en savoir plus? Bah oui. Franchement, je vous explique. Si je vous expliquais, vous ne comprendriez pas. Sympa, mec. Nous devons essayer de trouver une solution à ce mystère. Quoi? Un autre mystère? Bah oui. Je vais continuer à fouiller la salle de Luna. Continuer à fouiller le temple. Mon intuition me dit que cette lumière est la clé du secret. Et ouais, nous devons essayer quelque chose. Essayons de trouver par nous-mêmes. On va faire une sauvegarde. Voilà, la partie est sauvegardée. À nouveau, petite pause. On s'arrête ici pour YouTube. On refera la suite juste après. Le temps de reprendre. Toujours commenter, liker, abonner, partager. Dites-moi si ça vous plaît, ce qui vous plaît. Comment on continue et puis à partir de là on continuera. J'espère que normalement je me suis pas trop trompé sur les timings, on doit être sur une trentaine de minutes. Il y a eu un problème technique, il y aura sûrement eu un cut au milieu, mais c'est pas grave, on y retournera tout bientôt. Et nous y revoilà. Hop, la partie a été sauvegardée. Poink, poink. Donc cette fois-ci on va essayer de faire tomber la statue. Ils ont déplacé et on tire la statue. Oink. Vous entendez un clic. On réessaye. J'ai envie de voir. Que se passe-t-il?
Vlad doit avoir trouvé quelque chose. Ah, cette fois-ci, ça marche. Vlad, tu as trouvé. Delos. Beau travail, Vlad. D'où vient ce trou? Quand Vlad allait placer les statues, deux rayons de lumière en sont sortis et le trou dans le sol est ouvert. Vlad a poussé la statue. Au boulot, tout le monde. L'énigme de la statue était le piège. Et cette autre statue était là pour le désarmer. Désarmer un piège. Maintenant qu'il est désarmé, tout devrait bien se passer. On est reparti. Je serai dans la salle de Nuna. Vous vous occupez du reste. Est-ce qu'on peut faire le tour? Voilà. Allez. Hop. On aura droit à l'animation à chaque fois ou pas? Non, c'est bon. Parce que bon. On y est presque. Les deux symboles sont les mêmes. Oh là là! Regarde là, Luna s'est transformée en sol. À part ça, rien n'a vraiment changé. C'est étrange, ils ont mis un piège ici, et c'est tout ce qui se passe. Quelque chose d'autre doit avoir changé, il faut savoir quoi. Bah écoute. Ah bah voilà. Regarde le symbole sur sol, il a changé de sol à Luna. Vraiment, il doit y avoir quelque chose dans cette pièce. Je sais pas, un rayon lumineux. Ou un portail. Ah, ça doit être ça. Allons-y, Vlad. Attends, Vlad, j'arrive. Ah ouais, carrément, quoi. Le monde des esprits ou une bêtise du genre. Où sommes-nous? T'es pas encore arrivé, mec. Est-ce l'océan? T'es pas beaucoup descendu de ta montagne, toi. Non, impossible. Un océan a des vagues. Merci, monsieur. L'océan, c'est quoi? Toi, t'es jamais descendu de ta montagne. Au bout du monde, il y a l'océan, une étendue d'eau infinie. Tu ne pourrais pas comprendre. Un jour, je te le montrerai. Je sens Obi-Wan Kenobi arriver. Les étoiles élémentaires. Elles existent, les étoiles élémentaires existent. Vous nous avez appris que les éléments sont la source de toute matière. La pierre, le bois, tout est composé de ces éléments. Ai-je bien compris, Vlad? Pourquoi on me demande à moi? J'ai envie de dire oui. Exactement. Comme je te l'ai souvent dit, les éléments sont la source de toute matière. Terre, eau, feu et air sont les quatre éléments. La légende dit que les quatre étoiles élémentaires contiennent l'essence de chaque élément. Maintenant, ces pierres légendaires se trouvent devant nous. Boum. L'étoile de Vénus, la pierre élémentaire de Terre. L'étoile de Mercure, dont la forme varie, comme celle de l'eau. Mars? Oui, l'étoile de Mars, rouge comme le feu qu'elle contient. «
et l'étoile de Jupiter, maîtresse de toute forme de vent. Oui, c'est pas mal. On va faire un petit tour. Ouh, il est content. Telos, pourquoi es-tu si excité? Comment veux-tu rester si calme face à de telles merveilles? Tu es devant l'origine même de l'alchimie. Je te l'avais pas dit avant. Ah non. Tu dois avoir du mal à tout assimiler alors. La pierre de sagesse, la pierre des sages. La pierre philosophale quoi. Cette pierre domine tout. Elle transforme le plomb en or et on peut même vaincre la mort. Hein? Tu commences à comprendre, hein? Bah oui. Une armée de morts vivants qui servirait mon destin. Non, c'est pas ça. Tant pis. L'étude de l'alchimie commence avec la recherche de cette pierre. Yo! Coucou Salania. Bah écoute, ça se passe bien. Hein. On a perdu le son un moment et puis après c'est revenu. Il a fallu que je relance l'émulateur et puis on est bien, on est bien. Donc je verrai ce que ça donne au montage. Je comprends pas comment ils fonctionnent, mais ils ont un pouvoir gigantesque, pas vrai? Ouais. Ah bah encore à vélo le gars, quand même. Encore à vélo. Encore à vélo le Salania. Ils ont un pouvoir gigantesque, pas vrai? Au-delà de gigantesque, avec une seule de ces gemmes, on peut conquérir le monde. Peut-être que tu commences à comprendre. Et tu veux conquérir le monde? Ne nous effraie pas comme ça, Telos. J'ai vraiment cru que t'étais sérieux, conquérir le monde. Qui peut dire quelle est la vérité? Les grands méchants? C'est pourquoi je cherchais les étoiles élémentaires. Ouh. J'aimerais résoudre le secret qui les entoure. Ah, c'est bon. Elles sont devant moi. Ouais. Sois prudent, Telos. Ça a l'air glissant. Et je dois examiner les étoiles élémentaires. Une idée brillante. Demande au garçon. Évident. Ça me gêne un peu. Vous pouvez le faire? Je suis sûr qu'il sera ravi, pas vrai, Vlad? C'est le scénario. Oui. Merci. Tu auras besoin de ça, Vlad. Ils viennent de ta chaumière, pas vrai, Telos? À quoi servent-ils? Ils sont faits de fils de mithril tissés. Ah ouais, carrément. Je m'étais préparé pour une telle occasion. Va chercher les étoiles élémentaires et mets-les dans ces sacs. Oh bah c'est parti. Ah, 4 sacs de mithril. Oh bah c'est parti. Donc, donc. Tiens, un ordre à respecter. Partez. Hop. Oh là là. Bon bah par là alors. Non plus. Aïe aïe. Toujours commencer par un côté. Hein. On parie que j'ai fait tout le mauvais côté à chaque fois. Hop. Allez. Tu vas y arriver. Allez, Vlad. Bon, évidemment, on va déstabiliser l'univers tout entier avec sa bêtise, mais... Il y a sûrement un ordre optimum pour toutes les récupérer du premier coup, mais... On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Hop. Vlad a placé l'étoile de Vénus dans son sac de mithril. Bien, bien, ramène-moi les autres. Allez. Non. Ah, je me trompe dans mes boutons. Hop là. Bah c'est sûr, ça a facilité le retour.
donc la Mercure. Youpi. Donne le Mercure dans le sac en mitril. Bien, bien, ramène-moi les autres. Non, mais tu vas te répéter combien de fois, mec? On peut pas passer par là. Hop. Allez. Hop. Ah bah non. Ah non, faut faire le tour par l'autre côté. Allez. Allez. Hop là, on est parti. Bonjour. Don't mind me. Non. Pas par là non plus. Non. Allez, laissez-moi passer. Poussez-vous. On dirait les followers dans... Hop. Dans Skyrim. Non, hop. On va y arriver, on va y arriver. Et voilà, les piliers qui nous manquaient. On va y arriver. Allez. Alors, ça c'est Jupiter. Pour le vent. Ah. Ah ah ah. Il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? La musique s'est arrêtée. Et le vieux monsieur n'a pas dit bien bien. Oh, les méchants. On dirait qu'ils nous ont repérés. Non, dis donc. Nous devons être tranquilles jusqu'à ce qu'ils les aient toutes les étoiles élémentaires. Vous êtes là pour voler les étoiles élémentaires. Maître Telos, nous prenez-vous pour des voleurs? N'est-ce pas vous qui avez volé nos informations? Qu'allez-vous faire quand vous aurez les étoiles élémentaires? Je pense qu'ils nous liquideront lorsque nous leur servirons plus. Eh oui. Ouh. Nouveau méchant. Calme. On ne vous fera pas de mal. Il a un masque, c'est forcément méchant. C'était ce que nous avions convenu, hein? Tout dépend de leur coopération. Ils sont en sécurité tant qu'ils nous apportent les étoiles élémentaires. N'est-ce pas suffisant? Apparemment oui. La liquidation après, ça ne fait pas partie du plan. Vous avez entendu? Vous voulez sauver vos amis? Pardon. Vous avez entendu, si vous voulez sauver vos amis, donnez-nous les étoiles élémentaires. Acceptez-vous nos conditions? Ayez... Là, comme ça, avec un pistolet sur la tempe. Oui. Non, Vlad, ne leur donne pas les étoiles élémentaires. Pourquoi? Tu ne tiens pas à tes amis? Quelles garanties avons-nous que vous tiendrez vos promesses? Des garanties? Ah, j'en ai une. Tu vas devoir enlever ton masque. Cela signifie... Ah, bien sûr, bonne idée, il sera notre garantie. C'est Pavel! Vu les circonstances, nous n'avons pas le choix. Pavel, enlève ton masque. Et je l'avais dit, je l'avais prévu, le twist. Quoi? Qu'a-t-il dit, Vlad? Il l'a appelé Pavel, c'est ce qu'il a dit, non? Bah oui, si j'étais là. Hein. T'as entendu la même chose? Pavel, impossible! Ce jour, le rocher, nous l'avons vu mourir, non? Techniquement, non, on l'a pas vu mourir. Nous avons cherché pendant des semaines sans le trouver. Qu'y a-t-il, Pavel? Tu ne veux pas qu'il se sente en sécurité? Pavel, ce n'est pas le nom de ton frère? Non. Mais cet accident, mon frère, il... Je vais le faire. Je vais enlever mon masque. Ah! Et c'était lui! Depuis le début, c'est pas possible. Gros, c'est... Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine, Luna. C'est un miracle que j'ai survécu ce jour. C'est nous qui l'avons sauvé.
Nous l'avons vu en train de flotter dans la rivière. Et depuis, je suis resté avec eux. J'ai beaucoup appris. Mais pourquoi ? Pourquoi m'as-tu laissé toute seule ? Pour le pouvoir. Lina. Mon propre frère, je te croyais mort. On va remettre cette touchante réunion à plus tard. C'est vrai, les étoiles élémentaires sont plus importantes. Est-ce acceptable ? Elle ne nous laisserait jamais faire de mal à sa sœur. Pavel sera notre garantie. Donnez-moi les pierres, les étoiles élémentaires. Pierres, cailloux, enfin bref. Nous n'avons pas le choix, tu crois qu'on doit leur donner ? Bah non. Si on ne leur donne pas, ils ne relâcheront pas Lina. Garrett a pris les étoiles élémentaires. Oh, trahi par mon meilleur ami. Wink, wink, wink. Oh ! Qui es-tu, toi ? Allez-vous me laisser les étoiles élémentaires ? Oh, Alex, tu es en retard. Alex est un de nos compagnons, donne-lui les pierres. Ah bon, bah d'accord. Génial, après qu'on ait fait tout le travail. Karen donne les étoiles élémentaires. Je m'excuse par avance. Mais il va falloir nous emmener la dernière étoile élémentaire. Attends! Vous voulez qu'on prenne l'autre aussi? Oh, vous n'avez pas compris. Tu as dit que tu libérerais Lina si on te donnait les étoiles élémentaires, t'as promis. Non, mon ami, nous voulons toutes les étoiles élémentaires. Arrêtez de marmonner et amenez-nous l'étoile. Bon bah oui. C'est bien, tu es un brave petit. Nous attendons la suite. Allez! Allez! Wink, wink, wink. Non, pas par là. Pourtant, ça semblait si bien parti. Là, j'avoue que je... J'ai perplexitude. Je peux pas passer par là. Par là. Bonjour. Je peux pas passer. Ah si, ok. Dis Pavel, j'aurai deux mois de dire après. Non plus. Ah, faut refaire le tour. Aïe aïe. J'espère que vous aimez ce petit bruitage de saut. Forcément, en plus, quand je me plante de chemin, c'est pas drôle. Hop. Allez, hop. Non, c'est pas le bon chemin. Et hop. On y est presque. Vlad a placé l'étoile de Mars dans le sac de Mithril. Et le monde est déstabilisé. Et ben voilà. Et voilà, la nation du feu attaque. Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Non, pas encore ! Il n'y a plus d'eau. Privé de l'énergie des étoiles élémentaires, la salle s'effondre. Eh oui. Est-ce cela le terrible châtiment dont les villageois parlaient ? Non, ce doit être la puissance de l'alchimie. Je dirais un village construit à côté d'un volcan avec un truc qui fait que il y avait de l'eau qui refroidissait le volcan à tout hasard. Phew, c'est fini. Qu'était-ce donc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! Ouh, un non-œil. Bonjour, monsieur le non-œil. Ce rocher, il flotte. Tu sais ce que c'est, Vlad ? Bah non. Moi non plus. On dirait que quelqu'un utilise de la petite énergie pour le soulever. Est-ce que ça pourrait être inexorable ? Un tel pouvoir, c'est incroyable. Oh. Wow.
Elle doit protéger les étoiles élémentaires. Ça sent le rosy, nous devrions partir tant que nous pouvons. Mais il nous faut l'étoile de Mars, coûte que coûte. Je pense que Pavel. Je pense comme Pavel, nous ne faisons pas le foie face à l'inexorable. L'étoile de Mars attendra un autre jour. Et Vlad et Carrette, on ne peut pas les laisser ici. Oh, tu vas voir, regarde. Oublie-les, ils ne s'en sortiront pas vivants. Oui, mais Salamandar, ils ont une chance de survivre. Tout est possible, que suggères-tu? Nous emmenons Lina avec nous. S'ils survivent, ils viendront la chercher. Et s'ils viennent la chercher, ils nous apporteront l'étoile. Quoi qu'il en soit, Telos doit venir avec nous. Il est lié à tout ça. Alex, tu rends ta promesse. Les conditions ne sont plus les mêmes. Lina n'a rien à voir à tout ça. Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez partir Lina. Ta bravoure est tout à ton honneur, vieillard, mais tu ne peux pas aider Lina pour l'instant. Si nous laissons Lina, elle mourra sûrement. Est-ce que c'est ce que tu veux, Pavel? Allez hop, tout le monde dort. Nous devrions continuer cette discussion ailleurs, Pavel. Pavel. Peut-on partir maintenant? Dépêche-toi, Wink. Hey, pousse pas ma sœur. Fais attention à ce que tu dis. Tu nous dois la vie. Phoenixia! Maître Telos, vous allez nous accompagner, bien sûr. C'est un moment intense. Vlad, Garrett, ne mourrez pas! C'est pas le plan. Le jeu serait très court si on mourait maintenant. L'étoile de Mars. Quel dommage qu'on doive la laisser, mais nous la reverrons sans doute. Pardon. Ils étaient cachés. Ça s'est pas super bien passé, hein? Mais non. Comment peux-tu être aussi calme? Lina et Telos sont partis. Oui. Tu ne penses pas qu'ils leur feront du mal quand même? Ah, ça devrait aller. Ouais, tout ira bien. Pavel est là. 3 ans qu'il a pas donné signe de vie, le mec. Le caillou qui vole avec un non-œil, il est parti. Il n'y a plus de musique. C'est vraiment terrible. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous en sortir. Oh oh. Nous sommes dans le beau drap. Oui. Ils l'ont d'ici. Oui. Oh, le non-œil. Bonjour, monsieur le non-œil. Hé, hey, Vlad. Es-tu là? Nous devons fuir. Pourquoi restes-tu ici? Cet endroit est très dangereux. C'est toi qui es dangereux. Ah, c'est un caillou qui fait de la synergie. Il calme le volcan tout seul. Le volcan va entrer en éruption, je ne le retiendrai pas longtemps. C'est un gentil caillou qui vole avec un non-œil. Oui, Salania. Eh ben écoute, ouais, t'es caillou. Je pense que je vais pas tarder à arrêter. Parce que du coup, ça fait déjà 2 heures et quelques. Donc après, je vais essayer de voir si je peux remonter les vidéos. Et on verra pour la suite. Si j'arrive à faire quelque chose de bien pour YouTube, j'ai fait des pauses à peu près toutes les 2 heures, à peu près. 25 minutes, 35 minutes. Et puis on verra ce que ça donne. Vous devez quitter cet endroit. Oh! Qu'est-ce qu'il nous fait? Les djinns élémentaires, ils sont revenus. Prenez l'étoile élémentaire. Bah oui. Hop, coucou. Oulala. Remets-la dans ton sac. Ok. Les étoiles élémentaires s'éloignent.
Ok. Sans le pouvoir des étoiles et les lanternes pour le contenir, le magma s'est libéré et cette salle commence à s'écrouler. Les étoiles élémentaires n'auront nulle part où revenir. C'est ballot ça. Mais du coup, ça veut dire que le village dans lequel on vivait jusqu'à maintenant va être complètement enseveli par un volcan. Vous connaissez le principe du Vésuve, Pompéi. Le monde sera vulnérable face à la menace de l'alchimie. L'alchimie, une menace. Elle peut être dangereuse entre de mauvaises mains. Si les étoiles élémentaires allument les feux des quatre phares, ce pouvoir sera libéré. Tant que les quatre phares restent éteints. Allez, Caillou, sauve-nous encore un peu. Merci, gentil Caillou qui vole avec un œil. J'ai l'impression que tu vas pas tenir bien longtemps. Le volcan, il entre en éruption, fuyons maintenant. Ah, il fuit aussi le caillou, c'est sympa. Mais comment? Ah, je vois, je vais vous aider. Il va nous téléporter. Beam me up, Scotty. Et voilà. Ouh. Oh là là. Oh là là. Cet œil volant nous a sauvés. Apparemment oui, mec. Mais bon, c'est clair, filons d'ici. Et ben vous savez quoi? On va sauvegarder maintenant, et on va s'arrêter. Hop. Hop. Voilà, on va s'arrêter là, pour l'instant, en pleine crise. C'est un gros cliffhanger. Hop. Hop là. Donc, si vous avez regardé sur YouTube jusqu'à maintenant, et ben j'espère que vous avez aimé. J'ai fait des pauses normalement, donc comme je disais à Salania, à peu près toutes les 35-25 minutes, à peu près. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit agréable à suivre sur YouTube, pour pas vous bloquer 2 heures à chaque fois. Et puis bah du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. On se retrouve tout bientôt. À plus.